l'homme l'a fait parce que c'était lui la vie. Ceci, nous le voyons dans le texte de Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. De Jean 11, 25. C'est moi la résurrection et la vie. Mais aussi dans notre texte de base, Jean chapitre 10, le 10e verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. Dans la vie courante, nous remarquons que ce voleur a imposé au peuple de Dieu des situations bien contraires à ce qui a été la pensée originelle de Dieu. L'ignorance de la parole, la haine, les divisions, les distractions, les rivalités, les maladies, les tracas, la mort. Quant au bon berger, lui, notre Dieu vient, c'est pour imposer sa souris dans la vie de ses enfants. Cette convention se tiendra chaque mois de juin avec objectif de transmettre la pensée de la vie de Dieu à son peuple. Pour finir, nous tenons à présenter nos remerciements au monde de l'intercession à notre Père, le prophète Nathan Kani, pour l'accord et la conscience portés à notre égard pour la réalisation de ses assises. Nous présentons également nos remerciements à tous les membres du staff pour le soutien, mais aussi à toi qui participes à cette première rencontre pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui sentent que j'ai envie de dire quelque chose. Hein. Dieu vous a confondu aujourd'hui. Je ne veux rien dire. Elle s'appelle Lumière. On a ce mot en français. Amen. Nous sommes bénis. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Vous avez entendu? Hein? Parce que moi, j'étais en train de me dire, est-ce que ce n'est pas la dame qui parle à RFI, là, à la radio? Parce que le français, il est... Amen. Vous allez sentir la différence entre celle qui a fait le mot de circonstance, sa voix et la voix de l'orateur. Amen. Alléluia. Vous allez sentir entre les deux qui boit du lait et qui boit du thé rouge. Amen. Hein? Ah, hein. Vous allez sentir qui boit du lait vraiment et qui boit du thé rouge. J'ai rien. Vous avez constaté. Vous aurez un esprit. La dimension des paroles des connaissances. Vous connaissez le bouloukoutou? Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui d'être à la première édition de Zoé. Amen. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous tenir debout, clamer le Seigneur, alors que le premier orateur, je dis le frère Patrick, président de la jeune de l'intercession, alors qu'il s'approche, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Non, est-ce que tu peux bien acclamer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, acclame très bien. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Non, pousse les cris de joie. Est-ce que tu peux exagérer un peu? Exagère, exagère, exagère. Ah, est-ce que tu veux exagérer? Exagère. Nous sommes là. Nous sommes là pour la vie de Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là. Est-ce que tu peux acclamer le roi des cieux, la source de la vie? Lui-même, c'est la vie. Il donne la vie. Il donne la vie en abondance. Lorsqu'il donne la vie, la mort disparaît totalement. Le maître de la vie, il est là ce soir. Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est là ce soir? Est-ce que tu crois qu'il est là? Tu crois qu'il est là? Sokimana zotea, lokumezo gelangolo.
Oh,
c'est là où nous te sommes. Reconnaissance, c'est pourquoi nous t'offrons nos acclamations, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux souhaiter le bienvenu à des personnes? Dis bienvenue, Zoé, première édition. Est-ce que tu peux le souhaiter le bienvenu? Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, lui qui a permis que nous puissions être là dans sa présence. Et de tout cœur, avec toute humilité, je dis merci à notre Père de nous avoir fait confiance. Je dis que le ciel puisse être favorable, Papa, pour vous. Et que Dieu marche avec vous partout. Parce que vous êtes parmi les gens, les rares personnes qui acceptent les grâces de vos enfants, des fils et filles que vous encadrez. Et vous n'avez jamais bloqué quelqu'un. Je me souviens une fois, je vous demandais pour aller prêcher quelque part. Vous m'avez dit, Patrick, je vais te bloquer. J'ai dit, ouais, les années. Vous en armez, mais vous avez la tabotine. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas votre nature. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Dieu, pour cette onction? Je dis aussi merci à tous les membres du staff. Merci pour votre confiance et à tous les ouvriers. Et je ne manquerai pas d'être très reconnaissant à l'équipe d'intercession, l'équipe avec laquelle nous passons tous les moments ensemble. Que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Je te bénis aussi toi qui es venu. Est-ce que tu peux acclamer pour ta présence? Ta présence, ta présence. Ok, sans toutefois tarder, nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 10. Et nous allons sauter pour lire les versets 16. Si le frère Joël peut nous aider, Jean 10, le verset 10. On lit aussi le verset 16. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Jean 10, verset 10, j'ai lu pour la gloire du Seigneur. Le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans notre grand programme, grande activité dénommée Zoé. Zoé, on nous a expliqué par la sœur Lumière qui a donné le mot des circonstances. Elle a dit, c'est la vie de Dieu. Amen. Zoé n'est pas seulement la vie de Dieu, mais Zoé aussi, c'est Dieu lui-même. Parce que lorsque l'homme de Dieu, ou bien la personne de Christ, lorsqu'elle se présente, elle dit, je suis la vie. Amen. Ah, Zoé, c'est la vie de Dieu. Pourquoi nous parlons de Zoé? Nous parlons de Zoé, premièrement, il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce qu'est la vie de Dieu. Au-delà de comprendre, que les enfants de Dieu puissent vivre la vie de Dieu. Que nous tous qui sommes ici, à chaque fois on va commencer à nous dire qu'il y a ces programmes, venons avec l'idée de dire nous allons là-bas pour puiser la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a premièrement la sainteté de Dieu. Dans la vie de Dieu, la deuxième chose qu'il y a, c'est la gloire de Dieu. Dans la vie de Dieu, nous trouvons la justice de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a le salut. Et aussi, dans la vie de Dieu, il y a la grâce.
Lorsque tu viens dans ce programme, dis-toi que ces six choses vont te localiser. Pourquoi? Parce que ces six choses ont une seule source qui est Abba, qui est notre Père. Et dans notre thème pour cette année, nous parlons « Afin que mes brebis aient la vie en abondance ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Afin que mes brebis aient la vie en abondance ». Ce que j'aime, c'est quoi? C'est que ce passage commence à nous montrer du côté négatif. Les voleurs ne viennent que pour. C'est-à-dire quoi, papa? Les voleurs ne connaissent pas d'autre travail. Ils connaissent que ce travail qu'on a cité ici. Il vient que pour dérober. Il vient que pour détruire. Il vient que pour égorger. C'est ça sa spécialité. Les voleurs ne te donneront jamais la vie. Bien-aimé, si quelqu'un s'est levé aujourd'hui pour te dire, allons-y auprès des magiciens, il y a la vie là-bas. Sache-le bien que les voleurs, son travail, ce qu'il connaît faire, c'est tuer, c'est égorger et détruire. Les voleurs, jamais, il n'a donné la vie. Mais j'aime une chose, on dit que le bon berger aussi, lorsque lui vient, il connaît faire une chose, donner la vie. Et lorsque nous parlons de la vie, Dieu ne donne pas la vie seulement dans un seul domaine. C'est une vie multidimensionnelle. Dans tout domaine de la vie, Dieu donne la vie. Pourquoi? Parce que la vie qu'il donne, il ne la cherche pas en dehors de lui-même. Lui-même, il est le producteur de la vie. Lui-même, il est la source de la vie. Lui-même s'appelle la vie. Si un magicien, pour te donner quelque chose, il faut qu'il cherche auprès des démons. Mais je me demande, mon Dieu à moi, lorsqu'il voudra te donner quelque chose, il va la chercher auprès de qui? Parce que lui-même, il est le commencement de tout. C'est qu'ici, il est le commencement de tout, c'est qu'il est aussi le commencement de la vie. Même dans ton ministère ce soir, la vie va entrer. Dans tes finances, la vie va entrer. Dans ta vie chrétienne, la vie va entrer ce soir. Même pour le problème de ton travail, la vie va entrer. Le diable, c'est un menteur. C'est pourquoi il a précédé. J'aime, il doit toujours précéder. Et celui qui vient en dernier, c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Et mon sous-thème, je vais développer ce soir, c'est à partir du verset 16 que nous venons de lire. Il a dit que je n'ai pas seulement les brebis qui sont dans la bergerie, ce n'est pas tout que j'ai. Il y a d'autres qui sont en dehors de la bergerie. C'est pourquoi ce soir je veux que nous puissions parler de l'adoption. Amen. Comment nous aussi, païens, gentils, hier, aujourd'hui, nous sommes aussi bénéficiaires de cette vie. C'est parce que nous avons été adoptés. Est-ce que tu peux dire avec moi l'adoption? L'adoption, c'est quoi? Le dictionnaire nous donne une définition simple. C'est l'action d'adopter. Je n'aime pas ça. Il ajoute encore en disant, l'adoption, c'est admettre ou recevoir comme sien ce qui était à autrui. Tu acceptes, tu admets la chose qui ne t'appartient pas, la personne qui était loin de toi, mais aujourd'hui tu l'acceptes comme si elle t'appartenait. Ça là aussi, je n'aime pas trop, mais j'aime la définition biblique. L'adoption vient des Grecs, oitesia. Oitesia qui veut dire la manifestation de l'amour éternel de Dieu pour faire des croyants ses fils et ses filles. Je vais répondre. L'adoption vient des Grecs, oitesia, qui veut dire la manifestation de l'amour éternel. Lorsque nous parlons de l'amour éternel, c'est-à-dire l'amour qui n'a pas encore connu de fin, qui n'a pas même connu de début. À des moments, je me demande, Dieu, quand est-ce que tu as commencé à m'aimer? Il a dit, depuis la fondation du monde, depuis la seconde, il m'a aimé. C'est la manifestation de l'amour éternel.
de Dieu pour faire des croyants ses propres fils et filles. C'est ce que j'aime. C'est ça l'adoption. C'est-à-dire, lorsque tu es ici, tu n'es pas étranger. Toi qui étais hier condamné, méprisé par les juifs, toi qui étais sous la condamnation, sous la malédiction, lorsque tu es venu ici, tu y es enfant de Dieu. Cette histoire commence comment? Ça commence avec un peuple unique. Et ce peuple-là, avant qu'il ne soit peuple, il a commencé par être une personne, la personne d'Abraham. Abraham, la personne avec qui Dieu a fait son alliance. Et je m'en vais ouvrir une parenthèse pour dire, Israël était peuple de Dieu par alliance. Mais nous, nous ne sommes pas peuple de Dieu par alliance, nous sommes peuple de Dieu par le sang. Je vais t'expliquer. On avance encore. Amen. Dieu, lorsqu'il vient, il appelle Abraham. Il dit, vous connaissez ça et tout, tout, tout. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et de toi sortira une grande nation. Pourquoi Dieu commence à chercher un peuple avec qui il va marcher? Parce que Dieu a exterminé les gens à la période d'Élie avec Noé. Il cherchait toujours quelqu'un avec qui, dans la personne en qui Dieu voit, doit se voir. Lorsqu'il regarde, il se voit. J'ai toujours aimé, lorsque papa Nathan m'a dit, parce que lorsque je te regarde, je me vois. Mais je me dis, moi, on a la santé. Jusqu'à là, parce que Kalamou, tu es un bima. Et Sarah Nelson qui joue le bima mystique. Amen. Il me voit, il se voit à moi. Il ne voit pas le physique. Peut-être le physique ne répond pas tellement. Mais il se voit à moi comment spirituellement. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait de la terre, l'homme n'était pas encore homme. Quand est-ce que l'homme est devenu l'homme? C'est lorsque le divin est entré dans la terre et le divin a fait de cette terre-là l'homme. L'homme est devenu homme. Dieu cherchait tout ça. Il a fait cette alliance avec ce peuple qui s'appelle Israël. Israël a marché avec Dieu. Ils ont vu des miracles de la part de Dieu. S'il y a un peuple qui a goûté la cuisine céleste, c'est Israël. S'il y a un peuple qui a vu la main de Dieu d'une manière surnaturelle, et il vivait le surnaturel d'une manière naturelle. Chaque jour, les gens qui ont mangé la manne, les gens qui ont vu la mer rouge étaient divisés en deux. Ces gens-là, ils ont marché avec Dieu. Mais quelque part, quelques années plus tard, ces peuples-là se sont rebellés contre Dieu. Ils ont commencé à me dire, nous voulons aussi un roi comme chez les autres. Oh, mais pourquoi lorsque je vous délivrais, vous ne m'avez pas dit délivre-nous comme ça se passe chez les autres? Là vous étiez calme, là j'étais votre Dieu, là j'étais votre Seigneur, là j'étais votre maître. Le peuple d'Israël a oublié. Et Dieu a commencé à chercher cette fois-ci pas un peuple qui l'appartenait, mais plutôt ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il dit, en trouvant les enfants, je vais au moins me retrouver en eux. Mon ADN va se retrouver en eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Et comme la nature peut nous enseigner, vous allez être d'accord avec moi, que lorsque tu veux avoir beaucoup de maïs et que tu as seulement une graine, la meilleure manière d'avoir beaucoup, c'est de prendre la graine que tu as, de la mettre dans la terre, et après tu auras beaucoup. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez pourquoi Israël a échoué? Parce que chaque fois où Israël tombait, au lieu d'amener quelque chose qui était lié à la divinité, on lui apportait souvent la chose qui était liée à la nature, qui étaient les animaux et tout ça. C'est pourquoi Israël retombait toujours. Lorsque Dieu a commencé à chercher, à trouver ses enfants, ses fils et filles, il n'a pas envoyé dans le monde un animal. La Bible me dit, il envoya son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il voulait récolter d'autres fils. Tu ne peux pas récolter de fils si tu n'as pas semé de fils. Il faut d'abord commencer par semer l'unique que tu as, afin de récolter la multitude de fils qui vont commencer à traverser le monde avec toi. Dieu, lorsqu'il cherchait le fils pour lui,
il a envoyé son fils. Dieu, lorsqu'il voulait que nous puissions vivre les joies sur la terre, il a envoyé la divinité sur la terre. Ah, il a envoyé le ciel sur la terre. La présence de Christ sur la terre, c'était la présence du ciel sur la terre. Parce que sa présence sur la terre mettait fin aux œuvres de l'ennemi, mettait fin au règne du diable, mettait fin au règne des maladies et consorts. Lorsque tu veux avoir beaucoup de graines de maïs, tu dois commencer par semer la seule graine de Dieu, parce qu'elle porte une vie. Or, celui qui était venu dans le monde le sauver, il portait une vie. Il était porteur d'une vie. Et lorsqu'il est venu dans le monde, il a fait ce que Moïse n'avait pas fait. Il a fait ce que les enfants de Moïse n'ont pas fait. La Bible dit, il a répondu favorablement aux exigences divines de Dieu par rapport à l'offrande qui devait ôter le péché du monde et apporter le salut, apporter les oeufs de Dieu. Je parle au nom de Jésus. Que ce soit dans ta vie, si vrai Christ est mort pour toi, et les oeufs de Dieu entrent dans ta vie. Et c'est là que Dieu a commencé à se trouver un peuple. Pas un peuple qui est loin de lui. Pas un peuple qui l'adore de loin. Pas un peuple qui ne les représente pas, mais le peuple en qui Dieu se voyait. Et ce peuple-là qui s'appelle Fils de Dieu, c'est toi. C'est pourquoi lorsque nous lisons Jean 1, 12, la Bible dit, il nous a donné, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. J'aime devenir, vous savez, devenir, lorsque vous lisez dans les textes originaux, devenir a la même valeur avec Bara. Devenir est comme créer. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, lorsque Dieu souffle dans l'homme, la Bible dit, et l'homme devient. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit, il nous a de devenir, d'être créé comme, si hier on était créé comme l'enfant de tel, mais lorsque Christ vient dans ta vie, tu n'es plus le fils de celui-là, tu es recréé à l'image de Dieu et comme fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. À des moments, vous savez pourquoi? Nous tombons facilement, nous croyons que nous sommes tout le monde parce qu'on ne comprend pas la profondeur qu'il y a dans les Écritures. C'est-à-dire, j'ai compris une chose, papa, lorsque j'ai médité. C'est que Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu recommencer les choses. La Bible dit ceci, Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde. C'est ça, non? C'est ce que la Bible nous dit. Et lorsque vous lisez en grec, le monde, on appelle ça cosmos. Et cosmos, là-bas, ce n'est pas le monde comme on écrit ici, c'est l'univers. Et là, Dieu a tant aimé l'univers, il a envoyé son fils unique. Dans l'univers, il n'y avait pas seulement l'homme, il y avait aussi la terre. Vous savez pourquoi la mort de Christ, même la terre bénéficiait de cela? Parce que lorsque Adam a péché, Dieu a maudit aussi la terre à cause de l'homme. C'est pourquoi à cause de l'homme, à cause de l'amour que Dieu portait pour l'homme, il a tant aimé l'univers. À cause de la mort de Christ, c'est pourquoi c'est interdit de dire que l'homme vivra à la sueur de son front. Ça, c'est une malédiction. Dieu n'avait jamais créé l'homme pour que l'homme puisse manger, vivre à la sueur de son front. Ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle puisse enfanter avec des douleurs en tous. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et lorsque Christ vient, écoutez, Dieu, il maudit la terre. Il dit à l'homme, la terre portera des ronces et des épines contre toi. Lorsque Christ monte à la croix, on a fait quoi? On a pris maintenant les épines qui étaient par terre. On a levé ça par terre, on a mis ça sur ta tête. Je parle à quelqu'un ce soir que la malédiction qui s'est liée à ta vie quitte ta vie et marche sur Christ. Est-ce que tu m'écoutes? La malédiction qui pèse sur toi ne va plus jamais pèser sur toi. Ça se justifie. Vous allez voir en Israël, lorsque quelqu'un péchait,
pour donner l'offrande, il faisait quoi? Il se représentait à l'animal. Il confesse, il se représente à l'animal. Maintenant, moi, je ne suis pas représenté par l'animal. Lorsqu'il s'agissait de me sauver, d'être agréé par Dieu, Christ est venu. Il a pris la malédiction, il s'est enchargé. Il a pris la condamnation. Il a pris de mauvaises choses. Il a pris même le sang de mes parents pour qu'à moi, le sang de Dieu puisse commencer à couler. Je suis en train de défier quelqu'un ce soir. C'est possible que tu ailles à l'hôpital, qu'on ne trouve pas l'ADN de ton père en toi. C'est possible. C'est possible. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il a vu tellement que le sang de nos parents était sale. Il a dit, leur sang avait des sources impures. Lorsqu'il est venu, il ne fallait pas qu'il meure comme ça. Non, non. Ce soldat-là, romain, que Dieu le bénisse, il avait compris la révélation. Parce que lorsqu'on donne naissance, on doit faire couler le sang et l'eau. C'est pourquoi lui aussi, il a pris sa flèche. Il est allé trouer à la côte. Avant d'aller très loin. Vous allez comprendre que le premier Adam, lorsqu'il s'est endormi, on a trouvé, on l'a opéré à la côte. Sa côte a fait Ève. Mais le second Adam, sa côte à lui n'a pas fait Ève, a fait l'église. Oh, l'église, Israël ne connaissait pas l'église. L'église est une force, l'église est une puissance. La Bible dit même les portes de séjour des morts ne peuvent entrer pas contre elle. Ça vient de la croix. Si Adam lui a donné naissance à Ève, notre Adam, il a donné naissance à l'église. Ce soir, tu vivras la vie de Dieu. Ce soir, tu vivras la vie de Dieu. Tu n'as pas droit à souffrir. Tu n'as pas droit à vivre comme tout le monde. Tu as la vie de Dieu en toi. Écoute, la vie de Dieu est déjà préinstallée en toi. Écoute, tu es enfant de Dieu avant même que le monde n'existe. Avant même que tu ne viennes dans le monde. Vous savez, Papa Nathan, lorsque vous étiez encore, lorsque vous aviez 18 ans, Yaniv était déjà en vous. C'est que Bisiganyo Samabe Okenda, Obando Kenena Yaniv. Bisiganyo Samalam Obando Kenye, Obando Kenena Yaniv. Maintenant aussi, si moi je suis enfant de Dieu, et que si Dieu a vécu dans l'éternité, et que si Dieu a vécu dans la sainteté, si Dieu a vécu dans la gloire, c'est qu'en moi, il y a cette semence de la gloire, il y a cette semence de la sainteté, partout Dieu est, il était avec moi avant mon apparition dans le monde. Je ne suis pas le fruit de ma mère et de mon père. Je ne suis pas le fruit de leur union. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Avant d'aller très loin, ce thème, nous allons répondre au moins à 4 questions. La première question, qui étions-nous avant la venue de Christ? Nous étions qui? Nous étions quoi? Tout ça, c'est pour te faire comprendre la grandeur et la profondeur de l'adoption dans ta vie. Avant de comprendre ce que Dieu a fait pour toi, il faut que tu comprennes d'abord d'où Dieu t'a pris. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, les versets 6 à 8, Romains 5, 6, 8, la Bible dit, la première des choses, qui étions-nous avant la venue de Christ? Nous étions des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Qui est un pécheur? À l'église, il n'y a pas de pécheur. Amen. Hein? À l'église, il n'y a pas de pécheur. Je dis encore, à l'église, il n'y a pas de pécheur. Si tu es à l'église, tu pèches encore, c'est que ta place n'est pas à l'église. Et qui est pécheur d'abord? Un pécheur, ce n'est pas celui qui fait le mal aujourd'hui et se répand, non. C'est celui qui fait du péché sa vie. C'est lui qui, ces péchés-là,
S'il ne les pratique pas, il est mal à l'aise. Et c'est que Batonso va Zarasu qui a son guide à mal à l'aise. Maintenant, Zarasu est en assemblée de mal à l'aise. C'est qu'il pratique ça d'une manière quotidienne. Chaque fois il pratique, c'est celui-là le péché. De deux, c'est quelqu'un qui, même dans ses pensées, rien de Dieu ne montre. Dans ses pensées, tout est péché. Sa manière de voir, sa manière de vivre, il peut être là lorsque quelqu'un acclame. Aligna l'exhibitionné. Lorsque tu es calme, aligna l'exhibitionné. Finalement, il y a une union sur le quelque chose. Celui-là, c'est un pécheur. C'est ce que nous étions. On était pécheurs. Et pécheur veut dire l'homme éloigné de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas proche de Dieu. C'est ce que nous étions. Paul dit ceci. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. On était tous pécheurs. La Bible dit, tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Or, je t'ai dit ici, dans la vie de Dieu, les zoés de Dieu, il y a aussi la gloire. C'est que cette gloire-là est loin de nous. On ne se retrouve pas dans cette gloire-là. L'homme était pécheur. C'est-à-dire, l'homme tel que tu es là, même si les sons, tu vois l'ami, ce que tu fais souvent là, lorsque tu vois même un chat qui vient, tu as la facilité de crier Jésus. Mais auparavant, avant là, tu ne pouvais même pas crier ce nom. Avant là, même des promesses que tu lis dans la Bible, tu dis oui, ça c'est à moi, j'ai saisi. Ces promesses-là ne t'appartenaient pas. Lorsque tu étais pécheur, tu étais les domaines privés du diable. Les territoires privés du diable. Il pouvait faire de toi ce qu'il veut, quand il veut. C'est ce que nous étions. La deuxième chose, c'est que nous étions. C'est que l'homme était sous la condamnation. L'homme vivait sous la condamnation. Et la première dimension de la condamnation, c'est par rapport au péché d'Adam, lorsque Dieu a maudit l'homme. Une fois, j'ai expliqué, je ne sais pas, c'est ici ou quelque part. J'ai dit, le péché, Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, il nous a sauvés des trois dimensions du péché. Amen. Hein? La première dimension que Christ est venu ôter sur nous, c'était la condamnation, c'est-à-dire la punition que Dieu avait frappé l'homme après sa chute. C'est lorsque Christ est venu, il a ôté ça. Christ est parti. Le Saint-Esprit est venu dans le monde. Le Saint-Esprit est venu pourquoi? Pour nous aider devant la présence du péché. La puissance du péché. Le Saint-Esprit est venu nous aider devant la puissance. Vous savez que le péché est puissant. Parce que lorsque tu ne tombes pas dans le péché, là, c'est par ta force. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui t'aide à ne pas tomber dans le péché. Il est venu pour nous aider à ne pas tomber, à nous laisser emporter par la puissance du péché. Mais le péché est toujours présent, n'est-ce pas? Mais lorsque Christ reviendra maintenant, là, il va nous sauver de la présence du péché. Pourquoi? Parce que là où il va nous amener, il n'y aura pas de péché. Vous comprenez? Maintenant, Christ, lorsqu'il était venu pour la première fois, c'était pour nous sauver de la malédiction, de nous faire quitter sous la malédiction, sous la punition de Dieu. Deuxièmement, nous étions tous sous la condamnation du diable. Et là, c'est là où il y avait les histoires telles que lien de famille, lien de nom. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu peux nous parler des liens de la famille, tu peux nous parler des liens de nom. Nous étions sur toutes ces choses-là. Et lorsque tu es sous la prise du diable, le diable, lui, ne patine pas, il ne joue pas. Il est prêt à te sacrifier à n'importe quel moment. Il peut te sacrifier. Faire de toi ce qu'il voudra. Nous étions sous des mauvaises paroles, sous la malédiction. Chez nous, une fille comme ça ne peut pas se marier. Personne ne peut étudier et finir l'université. Personne ne peut servir Dieu. On était sous ces choses-là avant la venue de Christ.
C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es déjà en Christ, ne rétrograde plus. Regarde un peu les choses auxquelles tu étais, sous lesquelles tu étais. Tu étais dominé par les diables. Dominé par les diables. Tu ne pouvais pas arrêter l'alcool. Tu ne pouvais pas arrêter l'impudicité. Tu ne pouvais pas. Tu étais bloqué. Peut-être il y a dans certaines familles ici qui il y a un certain nom. Tout le monde qui porte ce nom-là doit subir telle maladie. Doit vivre comme tel. Avant de venir au Seigneur, tu devais vivre comme ça. Et c'était une loi qui était imposée. Et la deuxième chose, la deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est que qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Il a fait quoi? La première des choses que Christ a fait pour nous, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Là, on peut nous lire Éphésiens 2, 14 à 19. Éphésiens 2, 14 à 19. Pour vous qui écrivez, vous pouvez mettre aussi Colossiens chapitre 1, le verset 19. Le verset 19 au verset 20. Et enfin, Romains 5, 10. On peut nous lire Éphésiens 2, 14 à 19. Éphésiens 2, 14 à 19. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu amener nous qui étions loin de Dieu, nous qui étions appelés nation, païens, il nous a rapprochés de Dieu. C'est-à-dire, je m'imagine, c'est comme si Christ était là. Dieu, sur son trône, lui dit, Père, et aussi sont tes enfants. Et aussi sont tes enfants. Regarde bien. Et Dieu, lorsqu'il nous regardait au travers de Christ, bien aimé, nous ne sommes pas enfants de Dieu par nous-mêmes, mais nous sommes enfants de Dieu par Christ. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il voit Christ à nous. Dieu n'est plus loin de toi. Une fois tu as donné ta vie au Seigneur, tes péchés te sont pardonnés. Christ t'a réconcilié avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui, toi qui es appelé à vivre la vie de Dieu, mais tu es dans l'église, tu continues toujours à te culpabiliser, tu te condamnes. Moi, j'avais avorté, moi, j'avais volé. Non, non. Dès le premier jour où tu as donné ta vie au Seigneur, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Il nous a réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire enlever les mauvais souvenirs dans la tête de Dieu. S'il y a la chose qui ne reste jamais dans la mémoire de Dieu, c'est des mauvaises choses qu'on a eu à faire dans notre passé. Ça ne reste jamais. Arrête de te condamner. Arrête, à des moments, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à souffrir, bien aimé, souffrir en tant que chrétien, c'est normal. Ça fait partie de la vie même de Dieu. Ça
fais partie de la vie de Dieu. Arrête de te condamner. Tu vois quelqu'un dit, ah, ce que je vis ici, c'est parce que ma mère, non, non, ta mère a sa vie. Toi, tu as ta vie. Il nous a réconciliés avec Dieu. C'est ça la première des choses que Christ a fait. La deuxième chose que Christ a fait lorsqu'il est venu, c'est enlever la condamnation. Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. La Bible dit, nous allons lire. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, il a pris la malédiction. Il a pris les liens de famille. Lorsque j'étais... J'aime les rager. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes ici, on ne nous a jamais parlé que nous sommes liés. Bien aimé dans le Seigneur, si tu trouves quelqu'un, il est pasteur, bishop, jusque là, il continue à manipuler ses fidèles, vous avez des liens, il faut qu'on vous fasse passer à la première dimension de la délivrance, deuxième dimension de la délivrance, troisième dimension de la délivrance. Je me demande, si c'était le cas avec Christ, il allait mourir combien de fois pour nous? S'il y avait toutes les dimensions là de délivrance, la première dimension, c'est-à-dire j'ai un, la délivrance, j'ai deux, la délivrance, j'ai trois, il y a délivrance. Ça, ce sont des mensonges. Ce n'est pas biblique. Lorsque Christ est venu, il a enlevé la domination. J'aime même les autorités, c'est-à-dire les choses qui régnaient dans ta famille, les choses qui te contrôlaient, les choses qui te maîtrisaient, les choses qui te condamnaient. Christ les a pris, il les a cloués publiquement. Vous savez, la bonne manière d'humilier quelqu'un, c'est de l'exposer en public. Christ ne l'a pas fait en secret. Même lorsqu'ils étaient au désert avec les diables, il a dit, petit naro saloba système rara. Elle lui dit, awate, ah motaroye bate token de kuna. Parce que kuna, il y a au moins tout le monde, publiquement, en spectacle. J'aime une autre version qui dit, lorsqu'il a cloué publiquement, après, lorsque on chantait des chants de triomphe, tout le monde chantait victoire, victoire. Il a pris les diables, entre aussi dans le cortège, commence aussi à chanter victoire, victoire. Bien aimé, je prie au nom de Jésus que ceux qui t'ont condamné hier puissent faire ta force aujourd'hui. Que les liens de ta famille, que la domination, que les lois établies par les sorciers, par le monde des ténèbres, par le diable, que cela tombe maintenant et tes ennemis chanteront le chant de ta victoire. Je disais, tes ennemis chanteront le chant de ta victoire. Non, mais tu n'as pas compris. C'est-à-dire quoi? Les mêmes personnes qui te voulaient du mal, demain ça sera elles qui vont commencer à dire, ah, yé, à Zalaganzambe, yé, à deux mamans déjà, yé, à Bala déjà. Mais comment tu as changé de langage? Ils se sentiront obligés de le faire. Bibliquement. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut te condamner? Il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi tu continues à te condamner? Dieu a enlevé la malédiction. Si moi il n'y a pas la malédiction, ce n'est pas parce que je manque l'argent, tu commences à me dire, tu vois, ce sont bongo doka pan évangéliaco. Christ a tout fait. Vous savez, le salut, c'est un cadeau. C'est un colis dans lequel si tu veux pantalon, il y a pantalon. Tu veux chemise, il y a chemise. Tu veux chaussure, il y a chaussure. Tu veux travail, il y a travail. Tu veux argent, il y a argent. Tu veux mariage, il y a mariage. Tu veux élévation, il y a élévation. Tu veux la paix, il y a la paix. Tu veux tout dans le salut. Qui se venu à ôter la malédiction? Est-ce que tu peux dire à celle ou celui qui est à tes côtés, tu n'es plus condamné? Ajoute encore, tu n'es plus esclave. La troisième chose que Christ est venu faire dans le monde, il est venu inaugurer la paternité de Dieu dans le monde. À
avant que Christ ne vienne, jamais on a appelé Dieu Père. Même Abraham, qui pouvait parler comme ça avec Dieu, Moïse également, qui a parlé avec Dieu, jamais il a appelé Père. Christ, lorsqu'il est venu, il a intégré la dimension de paternité avec Dieu. Ah, est-ce que tu comprends ça? Ah, Matthieu 6, 31-32. La Bible dit, ne vous inquiétez plus. De quoi? La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez plus de quoi? Non, je veux que vous soyez tous. Ils ont tous. Matthieu 6, 30, 31-32. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Hein? Encore? Ok. Ah, la fin? Votre qui? Celui qui dit ça, c'est la semence que Dieu envoie dans les terres pour représenter les côtés de Christ. Il dit, votre père. Bien-aimé, je parle à un orphelin ici. Tu n'es pas orphelin. J'aime la paternité spirituelle. C'est que ce qui est spirituel domine le physique, le matériel, même l'émotionnel. Domine tout. Dieu est notre Père. Vous savez, ce que nous avons dit à ce qui s'est, à cause qui s'est, qu'on le canada bottina. Ah, vous savez, je m'en fous. Oh, tu n'as pas de père. Oh non. En plus, vous savez que Dieu sait éduquer plus que même les grands éducateurs de ce monde. Dieu sait bien nous cajoler, nous chuchoter. Même lorsqu'il nous punit, il ne nous punit pas pour nous faire du mal. Il nous punit pour que nous soyons meilleurs selon son projet. Que c'est venu inaugurer. Pourquoi? Pour que lorsque Dieu va s'approcher de Dieu, Jessica va s'approcher de Dieu, qui ne s'approche pas de Dieu, qui s'approche du Père, et du Père, je dois ce que je te demande, j'ai ma part dans ce que tu possèdes. Ah, ah, non, est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans ce que Dieu a, tu as ta part. Dans ce que Dieu a, tu as ta part. Et Dieu est obligé à faire quelque chose dans ta vie. Pourquoi? Tu es son fils. Il n'est pas irresponsable. Il n'est pas irresponsable. Christ est venu inaugurer cette partie-là. C'est pourquoi nous pouvons dire, Père, je prie, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais à cause de la foule. Lazare, vivant, abîmé. Moi aussi, lorsque je viens, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Lorsque je viens, je n'ai pas à discuter. Je n'ai pas à forcer les choses. Et je dis, Père, je suis là ton fils. Salam akamoto beta kinayo nakati. Salam akati nabiso. Salam au publiquement. Pourquoi? Il est mon Père. Dans ce qu'il a, je ma part. Tu se dis, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai retourné la même gloire. La gloire qu'avec Christ, je l'ai aussi. Dieu, c'est mon Père. Dieu c'est mon Père. Dieu c'est mon Père. Dieu c'est mon Père. C'est pourquoi je t'ai dit au début, il est possible qu'on vérifie dans ton sein qu'on ne trouve pas l'ADN de ton père biologique. Non, parce que Dieu est ton Père. Dieu est notre Père. Il est notre Père. Vous savez, celui qui peut bien comprendre cette dimension de la paternité de Dieu, c'est moi quelqu'un qui n'a pas bénéficié de l'affection parentale. Comme les nous ici, tu sauras que Dieu est ton Père. Un jour tu es là, la garantie est déjà terminée. On te dit, au Rolandako, au Moni Motosa, famille Abinoté, vous voyez ben une église, à lui, viens, moi je te donne une maison. Ça c'est Dieu. Tu vois quelqu'un qui sort de 100 dollars qui te donne. Ça, c'est le Père. Il n'est même pas de ta famille. C'est pourquoi il a dit, vous qui allez perdre, qui avez perdu vos parents, vos familles, je vous donnerai encore votre frère. C'est pourquoi je suis trop à l'aise avec mes frères en Christ. Je suis trop à l'aise dans cette famille. Pourquoi? Parce que cette famille a pour Père l'éternel Dieu des armées.
Dieu c'est mon père. Gala, papa n'a pas jamais orphelin. Parce que mon Dieu ne mourra jamais. Mon père, a koufa kate. C'est mon père. C'est mon père. Je parle à quelqu'un qui a perdu un parent. Peut-être qu'il n'a pas tous les parents. Dieu est père. Dieu est père pour nous. Et Christ est venu inaugurer ces choses. Et comment nous devenons enfants de Dieu? Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous recevons Christ dans notre vie. La Bible dit, même les cieux des cieux n'arrivent pas à contenir la grandeur de Dieu. Alors comment l'homme peut contenir la grandeur de Dieu? Christ, lorsqu'il entre dans la vie de l'homme, l'homme a assez d'espace pour contenir la divinité de Dieu. Christ travaille plus que même les gens de cadastre. Les gens de cadastre sont limités. S'il me donnait 10 parcelles, n'a même pas mis en courage. Mais Christ, lorsqu'il entre dans ma vie, il me fait l'espace. Et lorsque la divinité, le Dieu, le Père, le Créateur, le Saint-Esprit, il peut s'asseoir à moi. Au moment où je suis mais je suis en Katawa, je suis en Lenda. Dieu est ici. Dieu est ici. Comment nous devenons enfants de Dieu? Pour que tu puisses bénéficier de toutes ces choses, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Jésus entre dans ta vie, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Avant de finir, je vais nous parler de quelques privilèges, quelques avantages que nous avons par cette adoption. Et nous allons finir par là, nous allons prier. La première, ou bien le premier avantage, c'est que nous devenons une nouvelle créature lorsque nous sommes en Christ. Je vous ai dit, devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire nous sommes recréés encore. Nous ne sommes plus cette créature-là condamnée. Nous sommes, bien aimés, nous sommes des nouvelles créatures. C'est que c'est possible, Papa Nathan. Si quelqu'un qui est trop malade avec le sida aujourd'hui, s'il donne sa vie au Seigneur maintenant qu'il a la foi, la maladie peut rester dans son passé et il est guéri. C'est possible. Parce que la Bible dit, nous devenons. C'est-à-dire nous sommes recréés de nouveau. Maintenant dis-moi, lorsque je suis recréé de nouveau, et cette récréation, c'est ça, c'est la récréation en classe. Et cette récréation-là n'est pas physique. La Bible dit, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, physiquement il n'a pas changé. Mais en esprit, il a déjà changé. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, ton esprit, automatiquement, ton esprit est recréé. Ton esprit est renouvelé. Il est renouvelé. Mais dis-moi maintenant. Or, les liens et d'autres choses, d'autres condamnations, ça marche chez quelque chose qui est spirituel. Si moi je suis recréé, qui est cet homme-là qui peut venir me lier encore? Mais dire encore, moi, j'ai des liens. Non. Bien aimé, il est impossible de parler de la possession sur un chrétien. Les démons ne peuvent jamais posséder un chrétien. Les démons ne peuvent jamais me posséder. Pourquoi? Lorsque je donne ma vie au Seigneur, ma vie change et ma vie devient un domaine privé de Dieu. Là où Dieu siège, quel démon qui peut s'approcher de l'endroit où Dieu siège? Quel démon? Quel lien? Vous savez, Dieu, sa présence brise d'abord les liens. Je vais te prouver dans l'Ancien Testament. On a lié Shadrach, Meshach, Abednego. On les jette dans la fournaise ardente. La Bible dit, on peut être consumé. Même leurs vêtements. Mais les faire consumer quoi? Les liens. Pourquoi? Parce que l'homme de Galilée est aussi là. Lorsque Christ vient, la première chose, il commence à s'occuper d'abord de celui qui t'est condamné, de ceux qui t'est condamné, et de changer ta nature. Oh, tu es condamné. Oh, Abchiaba, ma mifunga bizazi, et puis tu vunja, ou ta vunja sana. Vunja,
L'ignorance nous tue. Nous sommes devenus une nouvelle créature. La créature qui n'avait jamais existé. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, lorsqu'elle était dans le monde, elle était. Lorsqu'elle vient en Christ, elle m'a foutu à ma lorate. Comme moi, j'ai toujours dit à ma fiancée, tu sais pourquoi tu es jolie. Parce que tu es tiré de moi. On ne peut jamais tirer quelque chose de quelqu'un qui est beau et la chose soit moche. Tu es tiré de moi, tu dois être jolie. Maman Marlène, on est jolie parce que tu es tiré de papa. Quelque part, ça beau. L'homme donne que ce qu'il a. Si moi je suis beau, ma femme sera. Mais comment? C'est pourquoi toi, sœur, ne commence pas à troubler le frère. Si tu es joli, c'est parce que tu as été tiré de lui. Si lui n'était pas beau, tu n'allais pas être joli. Je parlais à quelqu'un. Oui, je peux justifier cela. Ce qui fait que nous soyons forts, c'est quoi? Parce que nous sommes de Dieu. Nous venons de Dieu. C'est ce qui nous rend forts. C'est ça, non? Notre fort, nous l'attirons d'où? De Dieu. Et si tu es joli, on t'a tiré d'où? Je pensais que le frère allait acclamer, donner. Ça, c'est la vérité. Hein? Ah, moi, je dis toujours ça, ma fiancée. Pour nous, c'est à toi le pire. Sans la quitte, parce que nous n'avons pas la nasse à la quitte. Ça m'a servi à quitter après à tirer. Et le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que je suis sur la terre, mais ma vie ne dépend pas du système terrestre. Ma vie dépend du ciel. Paul dit, nous sommes des citoyens célestes. Ma vie ne dépend pas de la terre. C'est pourquoi tu vas te demander comment il y a crise, mais lui là ne pleure pas crise. Moi je ne suis pas de la terre. Comment tout le monde est envoûté, mais lui n'est pas envoûté. Moi je ne dépends pas de la terre. Pourquoi? Parce que ma sécurité à moi ne vient pas de la présidence, elle vient du ciel. Demandez à Élisée, lorsque Géasi se trouble, elle a dit calme-toi petit. Dieu ouvre les yeux. Lorsqu'il regarde tout autour d'eux, il y avait une armée céleste. Je parle à quelqu'un, tu peux habiter dans une parcelle. Il y a les occultistes, il y a les sorciers, ce sont eux qui vont te fuir. Pourquoi? Parce que ta présence là-bas est en terre. Ta présence là-bas loge Dieu. Dieu loge là où tu es. Ma vie ne dépend pas du système du monde. Dépend du ciel. Dépend du ciel. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse encore. Sœur, si tu vois un frère qui ne travaille pas comme moi, il vient te draguer. Que tu n'es pas trop lié à l'église. Parce qu'il dépend du ciel. Toi tu penses que le ciel est Kaogara. Depuis quand tu as su que le ciel était sèche? Oh, il y a grève au ciel. En Samarie, il y avait grève partout. Mais dans le ventre des lignes, il n'y avait pas grève. Pourquoi? Parce que le ciel n'était pas sèche. L'eau est Kaokarate. C'est pour moi que toujours ce Bakaoki. Eliazawa na zubita rabababa. Rababa korubwa et allié. Rababa korubwa et allié. Ce qui. Torrent et Kaoki, même une veuve peut te nourrir, toi Elie. Va là-bas. Pas seulement qu'elle va me nourrir, elle aussi profite de ma présence. Parce que sans ma présence, rien ne va marcher dans sa maison. C'est pourquoi comprends, lorsque tu soutiens l'homme de Dieu, tu te soutiens toi-même. Tu te soutiens toi-même. Tu peux voir au sommet la veste. Depuis le sommet, papa n'attend veste. Wana. Ah, pas veste, ils ont raté. Vous savez, je vais vous donner un secret, s'il vous plaît. Mais ne dites pas ça chez vous, gardez entre nous. Bereshit 2017, le Seigneur m'a dit, faites quelque chose pour votre Père. J'ai parlé à tous les membres de l'intercession, on doit commencer, on doit faire quelque chose pour notre Père. Lui-même sait, je ne vais pas citer la chose, au moins les gens de l'intercession savent. On a payé la chose. Depuis ces jours-là, beaucoup de membres de l'intercession ont commencé aussi à payer leurs propres vestes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, tu sais, quand mon doigt l'a dit à Tikelio, ok, pas chirurgien, à Kati, à Taïe, bien, on l'a dit. Ce qui est possible, c'est que tu as un thé. Il y a un spécialiste qui a conduit sa veste.
Mais les lots, pourquoi? Parce qu'on avait soutenu l'homme de Dieu. Lorsque quelqu'un est au Seigneur, sa vie ne dépend pas de la terre. Sa vie ne dépend pas de la terre. Avant de finir, je voulais dire à quelqu'un que la dernière des choses que Christ a fait, c'est de nous donner un Père. De nous donner un Père, Dieu notre Père. Vous savez, un voisin ne peut jamais accéder dans la chambre d'autrui. Il n'y a que l'enfant de la maison qui peut accéder. Vous êtes d'accord avec moi? Israël, il venait là, il venait, c'est nous qui avons Dieu. Mais tous les peuples n'accédaient pas. Lorsque Christ est venu, il monte à la croix. La première des choses qu'il a fait aussi à la croix, il a commencé par déchirer les murs qui séparaient les chambres, qui ne permettaient pas d'accéder dans la chambre de Dieu. La Bible dit, les voiles qui couvraient les lieux très saints a été déchiré. Ça a été déchiré pourquoi? Pour que ses fils et ses filles puissent accéder dans la chambre de Dieu. Parce qu'il arrive des jours où le père ne peut pas sortir de sa chambre. Il reste dans la chambre. Mais un enfant de la maison peut accéder même dans la chambre. La chambre qui est appelée les très saints. Dieu, tu peux accéder là-bas, et lorsque tu accèdes, tu arrives devant le trône de Dieu. Paul dit, maintenant approchez-vous donc maintenant, approchez-vous donc maintenant. Auparavant c'était difficile pour vous d'accéder, auparavant c'était difficile pour vous même de l'appeler. Maintenant approchez-vous donc de quoi? Je ne dis pas de trône, moi je dis approchez-vous donc maintenant de la présence de votre Père qui est dans sa chambre. Même lorsqu'il se repose, lorsqu'il entend que son enfant est en train de pleurer, un père peut se lever. Pourquoi? Parce qu'il entend l'enfant est en train de pleurer. Je ne vois jamais un père responsable continuer à dormir lorsqu'il entend la voix de son enfant de pleurer. Jamais. Mais combien, mon Dieu à moi, il ne va jamais s'endormir. Il ne va jamais rester calme. Lorsque je vais manquer, lorsque je vais pleurer, lorsque je vais souffrir, ce ne restera jamais calme. Pourquoi? Parce qu'il se voit à moi. Je suis son fils. Je suis son fils. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus un visiteur. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sens que tu es enfant de Dieu? C'est ça le soleil de Dieu. C'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, lorsque elle entre en nous, elle fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du diable. Je ne suis plus esclave des liens de famille. Je suis enfant de Dieu. Ah, tu fais bien de commencer à prier. Tu fais bien de parler à Dieu. Tu es ma père, tu es ma père.